Plus ou moins geek, le seul magazine qui revient sur 50 ans de culture geek, et plus en 52 minutes, une date pour vous le prouver, 1975, naissance du romancier Laurent Kessy. J'ai été payé très très cher pour pouvoir dire ça. L'équipe qui m'entoure autour de cette table, la blogueuse RL, ce romancier dont je viens de parler, monsieur Laurent Kessy, Sébastien Rassia du Joueur du Grenier, le duo du Joueur du Grenier avec Frédéric Molas, et Rurik Salé qui est également notre chroniqueur cinéma, compositeur, comédien, qui fait très bien la cuisine aussi. Aussi. François fait très mal la cuisine, nous le retrouverons un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà, ça explique ça. Et tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez la série télé Community, 4 mouches de velours gris de l'ex-maestro Dario Argento, le jeu vidéo Journey de la BD avec Jean-Michel Charlier, la suite des péripéties de Nico à Paris Games Week, l'interview carrière de l'écrivain français Johan Elio, Baptiste et Nico qui mènent l'enquête sur Léonard de Vinci, une enquête geek sur la Neo Geo, la web-série Another Hero et l'incontournable Shopping List. Quoi, ça vous étonne David Frissino qui boit de l'eau avant sa chronique ? Rubrique série télé avec David. Mais 17 auteurs ont travaillé sur cette blague qui t'a pas plu. C'était poilant. Ok, je vais les licencier. Allez, tout de suite, on attaque avec Community. Alors, c'est une série qui est assez incroyable. J'étais souvent chez François Descraques parce que quand il dort pas sur son canapé, il est avec moi. Et il me disait toujours, regarde Community. Et j'ai mis à peu près, allez, 2 ans à me laisser convaincre. On va regarder un petit extrait. C'est le générique d'ouverture, les openings, comme on appelle ça. Les openings avec un H, bien sûr. Alors, Community, c'est quoi? C'est les collèges publics aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens, enfin, collège ou université, ça dépend parce que le terme n'est pas le même partout, ouais. C'est les gens qui ne peuvent pas aller à Yale ou dans des grandes universités, vont dans ce lieu public qui du coup accueille quasiment tous les ramassis de la société, les gens qui sont des losers, les vieux. Chevy Chase. Et Chevy Chase dont je vous parlerai tout à l'heure, voilà. Community, c'est donc un groupe d'étudiants de tous âges et tous horizons qui vont faire des révisions ensemble. Ils sont tous dans le même cours et on va suivre leurs aventures au fur et à mesure de saison. Alors, c'est assez étonnant parce que pour moi, la série ne fonctionne pas tout de suite. C'est vrai qu'il faut quelques épisodes quand même pour rentrer dans l'univers de Community. Ces personnages qui sont quand même complètement barrés. Il y a Jeff Winger, un ancien avocat qui doit retourner au Community College parce que son diplôme d'avocat, en fait, il ne l'a jamais eu. Donc, il doit y retourner. Il y croise Troy, qui est une ancienne star déchue de football. Il y a Abed qui est le geek autiste par excellence, et il y a aussi notamment, alors il y a plein d'autres personnages, mais il y a Pierce qui est joué par cette énorme star qui est Chevy Chase. Alors il vient du Saturday Night Live dans les années 70-80, on a pu le voir dans Le Golf en Folie, Funny Farm, enfin voilà, c'est quand même Chevy Chase, il faut quand même dire que ça fait 15 ans qu'il est un loser absolu à Hollywood. Ça s'est très mal passé avec John Carpenter sur Les Aventures d'un Invisible. Le film a été un flop et il a eu son Chevy Chase Show qui a été interrompu, je crois, en cours d'épisode, c'est-à-dire en cours de diff, tellement c'était de la merde. Alors, ça a été très très violent. C'est assez marrant que tu me dises ça parce que Chevy Chase est à l'origine quand même de grosses tensions avec le créateur de la série, Dan Harmon. Alors Dan Harmon a créé la série justement parce que lui a dû retourner dans un community college justement pour essayer de dragouiller une ex qui s'y trouvait. Alors c'est une série, moi j'aime beaucoup la formulation que tu avais faite quand on en a discuté un petit peu en off. Oui. C'est-à-dire c'est une série qui ne se prétend pas geek, mais qui l'est fondamentalement un peu à l'inverse de Big Bang Theory. C'est ça, Big Bang Theory, c'est une série qui se prétend geek, mais qui ne l'est pas par contre. Voilà, il y a pour moi un épisode qui est vraiment hyper révélateur, fin de saison 1. Il y a un épisode où ils s'affrontent au paintball. C'est-à-dire que le proviseur, sur une sorte de délire, le proviseur est complètement fou. À chaque épisode, il arrive, il est travesti. Alors des fois, tu le vois arriver en village. Il est hyper ambigu niveau sexualité. Il a fait un truc génial aux Oscars, j'en parlerai après. Et d'ailleurs, il a gagné un Oscar, ça j'en parlerai. Voilà. Qui est ce mec? C'est un comédien qui est... Il a gagné l'Oscar du meilleur scénar aux derniers Oscars. Et il s'est foutu de la gueule d'Angelina Jolie qui posait avec sa robe comme ça, un peu ouverte. Il est arrivé, comme pour recevoir son Oscar, il s'est mis dans la même position. Et tout le monde était pété de rire. Ouais.
Et je parlais de ce dernier épisode de la saison 1 qui est absolument génial, où tu as donc le proviseur qui dit voilà, on va faire un concours de paintball et celui qui gagne, il a le droit de choisir tous ses cours l'année prochaine. Et tu te retrouves plongé quelques heures après, c'est le début de l'épisode, c'est un bordel, tu as toute l'université qui est couverte de peinture. Cet épisode, il est blindé de références. Il est énorme, et c'est filmé comme du John Woo, tu vois, sauf que les mecs ont des trucs pour tirer du paintball. Il y a Kenji Long dans la série, à un moment, qui arrive comme ça, un peu à la The Killer avec sa grosse mitraillette. Ah ouais, alors c'est le comédien qui joue Senior Chang, c'est un prof d'espagnol, mais il est asiatique. Ouais, voilà. Et on se rend compte qu'il a jamais non plus les diplômes. L'épisode du jeu de rôle, on se dit, bon, ils sont autour de la table, ils jouent au jeu de rôle, on se dit, à un moment, on va les voir déguisés, mais le truc mis en scène, quoi. Eh ben non, tout l'épisode, il se passe juste, on les voit parler autour de la table. Et j'ai trouvé ça, c'est encore plus fort que. Tous les épisodes ne sont pas de ce niveau-là. Et on parlait de Chevy Chase tout à l'heure, alors lui a foutu un bordel, mais incroyable. Oui. Dans la saison 2, le personnage de Chevy Chase devient extrêmement raciste. C'est presque le méchant de la saison 2. Et Chevy Chase a dit, non, moi je veux pas être le méchant. Arrêtez de me donner des trucs racistes à dire. Et à la fin de la saison 3, Chevy Chase dit, écoutez, c'est simple, c'est Dan Harmon ou moi. Et Dan Harmon a été viré du show. Alors tous les épisodes de Community sont pas tous d'excellente qualité. Moi, il y a un épisode en stop motion qui m'a pas. Ah, il est hyper bien. Ce qui est très bien quand même, c'est qu'il n'y a pas que du gars, il y a aussi de l'émotion en fait dans Community. Ouais. Et il y a un jeu vidéo aussi. T'attaches au personnage. Oui, l'épisode jeu vidéo est fantastique. Moi, je tombais que sur des épisodes nuls en fait. J'ai pas eu de bol. Là où ils font les poulets comme ça, j'ai vu. Alors pour finir, Troy et Abed, donc notre duo geek de la série, a un petit signe particulier. Ils ont un salut à eux. Telle une émission de faits divers, nous allons reconstituer en direct le bonjour culte d'Abed et Troy. Messieurs, s'il vous plaît. Si ça vous donne pas envie de regarder Community, alors là, je débarque chez vous, je mets des baffes à tout le monde. Clair. Attention. Try and abandon in the morning. Et tout de suite, Nico, Paris Games Week, épisode 2. Plongé au cœur d'un grand événement. Voici l'Inside. Nous sommes à la Paris Games Week, le plus grand salon de jeux vidéo de France. Pour les éditeurs majeurs, il faut être présent pour montrer ces jeux aux joueurs, se confronter au public et pour probablement aussi les séduire un peu. Et qui s'y colle chez nous, c'est Nico. Donc à la Paris Games Week, il y a aussi de l'e-sport. Qu'est-ce que l'e-sport ? L'e-sport, en gros, ce sont des jeux de fighting, de course, comme les Soul Calibur, les Street Fighter, les Need for Speed, les Gran Turismo, les Mario Kart. Tous ces jeux-là ont des tournois officiels, des compétitions. Il y en a trois grandes, aux États-Unis, au Japon et en France. Et là, comme vous le voyez, vous avez un ring. Ce ring, il a servi pendant la Paris Games Week à des jeux comme Soul Calibur, où il y avait des rencontres de vrais professionnels contre des amateurs aussi. C'est aussi ça que jeux vidéo, c'est pouvoir faire jouer les hardcore gamers, les casual gamers, il en faut pour tout le monde. On aime l'e-sport. Est-ce que l'e-sport un jour pourra arriver aux Jeux Olympiques ? Moi je suis pour et je vote pour. S'y est également déroulée la finale de l'ESWC, la Coupe du Monde des Jeux Vidéo. Voilà, pour les 25 ans de la saga Street Fighter, une saga mythique pour tout le monde, on l'a tous connue. Comme vous pouvez le voir, ils sont en train d'en découdre à mort dans l'e-sport, dans les fighting games. On a aussi des commentateurs, comme vous le voyez là-bas, il y en a un qui est en train de commenter en direct, un petit peu comme les matchs de football. On peut voir ici sur la droite un personnage comme Ken qui s'affronte avec un Rolento. Et regardez la masse, le monde qu'il y a autour, vous voyez le monde que ça génère. Donc là, de façon plus concrète, nous nous trouvons sur la grande salle, la grande scène de l'e-sport. Comme vous le voyez, sur cet écran principal se déroulent la plupart du temps toutes les organisations, tous les tournois. Il y a encore quelques minutes, on pouvait voir un jeu de voiture où des participants, même en équipe, participent à ces grands tournois. Je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont en train de regarder la scène, mais c'est vraiment impressionnant. Ça nous donne une vraie idée à quoi peut ressembler ces futures compétitions internationales de sport électronique. Le fameux e-sport. Les associations sont également bien représentées puisque c'est The Place to Be, l'endroit où l'on présente tout son travail de l'année écoulée. On est sur le stand juste fantastique d'Emo 5. On a Hervé en présence qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus de leur présence, pourquoi ils sont là. Salut Hervé, comment ça va? Salut, ça va impeccable. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le stand Emo 5, le rétro gaming, votre présence ici à la Paris Games Week? Ah bah notre présence à la Paris Games Week, c'est la deuxième année. L'année dernière, c'était les 70s, cette année, les 80s, plus le musée Metal Gear 25 ans, là où on se trouve actuellement. Et pour moi, c'était important, par rapport aux sales et aux éditeurs, à leur histoire, d'avoir du rétro gaming. C'est leur métier, c'est leur histoire, il faut la représenter, et ils l'ont bien compris. Et on était là l'année dernière avec un stand deux fois plus petit, cette année deux fois plus grand. Et comme on grossit d'année en année, bah, l'année prochaine sera encore plus grand. Voilà.
Ça, c'est la classe. Félicitations. Moi, je suis un vrai rétro gamer dans l'âme. J'ai une collection juste de malades. Metal Gear, c'est une série que presque tout le monde connaît. Encore Metal Gear, quand même. Hideo Kojima, le papa créateur de la saga. Merci Hervé. Est-ce que tu veux me dire encore un petit truc sur l'événement? Quelles sont tes attentes dans le futur et la réception du public sur le rétro gaming? Ah bah c'est énorme. Bah en plus c'est du multigénérationnel. On voit des enfants qui rejouent à de la NES et qui jouent à Duck Hunt, qui jouent à Pac-Man sur des bornes. L'histoire du jeu vidéo, c'est multigénérationnel. Voilà, on n'oublie pas ce à quoi on a joué. On rejoue au vieux jeu et le gameplay est bon, donc il vieillit pas. Merci Hervé. Moi, j'en suis convaincu, c'est une vraie culture. Au médisant, c'est une vraie culture. Merci à vous tous, merci Hervé. Allez, bye. Dans ce grand salon, vous trouverez également près de 70 stands d'exposants d'objets en tout genre. La Paris Games Week aussi, c'est l'endroit où on peut vendre des t-shirts, des goodies, des résines, des statuettes, il y a de tout. Comme vous le voyez ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 ou 8 stands dans ce petit hall de la Paris Games Week. C'est le moment aussi aux éditeurs, ils se disent, il y a Noël qui approche, on va faire un maximum de cadeaux. Et vous voyez, les gens sont complètement fous. C'est aussi ça la Paris Games Week. Ouais, j'ai dit au caméraman de venir, de dire un coucou. Et il ne manque pas de clients avec 212 000 visiteurs. Voilà, c'est aussi ça, les stands, c'est la classe. Toi, tu peux rentrer comme ça, tu fais comme chez toi. Il y a même à boire, on peut même boire un coup. Allez, soyons fous. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu moins de stress derrière quand vous voyez tous les gens qui sont là devant, qui sont prêts à s'arracher tous les t-shirts? Voilà, salut à tous, hein, c'est la classe. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à la Paris Games Week, Julien? J'essaie de vendre des t-shirts. Ah, c'est pas gagné, mais bon, il y a un petit peu de monde quand même. Il y a quand même du monde là. Ouais, ouais, ça va, on n'est pas mécontents. Merci à toi. Je t'en prie. Je cherche un cadreur. Je ne sais pas où tu es, Camille. Je te cherche, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Camille, où es-tu? On est à la Paris Games Week, où es-tu? C'est quoi tous ces gens? Ils sont complètement barjots, hein. Moi, je m'en vais, hein. La fin des aventures de notre tatoué préféré, ça sera dans la prochaine émission et on enchaîne avec un autre tatoué, mais ça, tu ne nous le montreras pas, c'est Rurik. Rubrique cinéma avec Rurik. Ben voilà, c'est ma rubrique que j'aime beaucoup. Je vais vous parler de Quattro Mosquées di Velluto Grigio. Oh, qu'est-ce que c'est que ce film? Ne partez pas, c'est un vrai film. Quelque peu des images pour appuyer mes propos d'une botte en cuir, forcément. Oh, Michael Brandon qui jouait dans Mission Casse-Cou. Oh, Jean-Pierre Marielle. Qui s'est pris un truc. Bien sûr. Oh, un masque qui dit des trucs avec des yeux rouges. Oh, un machin, du sang, c'est très graphique. Ma, si c'est si graphique qu'il y a des sangs et que c'est italien, forcément, c'est Dario Argento. C'est un giallo. Mais c'est un giallo. Et giallo, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire en italien? Il y a Bud Spencer, il y a tout le monde dans ce film. Pouvons-nous commencer par le giallo? Nous pouvons. Qu'est-ce que c'est que le giallo? Eh bien, giallo en italien, ça veut dire jaune. Et pourquoi? Parce qu'on en a déjà parlé, je crois, les couvertures de pulp, de romans de gare un peu avec des crimes, avaient une couverture jaune. Donc, les films qui utilisent un petit peu ce côté populaire, crime, machin, on les appelle les giallo. Et le titre, c'est quoi? C'est donc 4 mouches de velours gris. Voilà, ça, c'est les titres d'Argento à l'époque. Bon, il avait sa trilogie animale, il y avait ça. Il y avait l'oiseau au plumage de cristal et le chat à 9 queues. C'est quand même incroyable. Ouh, intrigant. C'est quand même les meilleurs titres, quoi. Mais c'est un truc de malade. Un renard à 9 queues au Japon. Et ils sont plein de trucs comme ça en Italie. Hein. Des fois, c'est même, t'as l'impression que le mec dit, ah, ce titre est formidable, faut faire un film. Voilà. Sauf que là, c'est vraiment l'un de mes Argento préférés. C'est un des grands maîtres du fantastique, surtout, et aussi du giallo en Italie. Oui, il fut un temps, tu fais bien de préciser. Il a fait des méga classiques intouchables comme Suspiria, Inferno, Les Frissons de l'Angoisse, Phenomena, enfin des trucs vraiment, tu dis aux gens, ils font, c'est formidable. Quatre mouches de velours gris, c'est l'un des moins connus qu'il ait fait. Effectivement, il y a un casting de ouf. Jean-Pierre Marielle, Michael Brandon qui jouait donc dans la série Mission Casse-Cou, c'est un anglais. Il y a Bud Spencer qui joue Dieu, un mec qui s'appelle Dieu. Et tout ça fonctionne très bien. Jean-Pierre Marielle joue un détective gay. Il est à mourir de rire. Et donc, l'histoire, c'est quoi? C'est un type, Michael Brandon, qui se retrouve à suivre quelqu'un. Il y a un petit problème avec un mec qui le suit. Enfin, il s'engueule avec le gars et tout d'un coup, il se retrouve à... Le mec se retrouve avec un couteau dans le ventre. C'est Buffet Froid, t'es en train de nous refaire la même arnaque. Vous m'avez répondu. C'est ça, je vous ai parlé des rip-off italiens. C'est toi, il y a 15 émissions. Non, et en fait, du coup, il dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça exactement. Hein. Et sauf que quelqu'un a pris des photos et le fait chanter. Et au moment, donc, il va voir Jean-Pierre Marielle et lui dit, écoutez, vous êtes un détective privé, je veux que vous m'aidiez à comprendre qu'il y a cette personne qui me fait chanter. Et Marielle dit, oui, mais je vais sûrement trouver l'assassin parce que je n'ai jamais résolu une affaire.
Mais c'est incroyable votre histoire. Il dit, mais oui, regardez, j'ai fait 200 affaires, j'en ai jamais résolu une seule. La probabilité est incroyable, donc forcément la vôtre, je vais la résoudre. Vous comprenez que ça ne va pas continuer comme ça. Donc c'est à moitié complètement drôle, mais en même temps terrifiant. Musique d'Ennio Morricone, il faut le préciser quand même, parce qu'il y a cette scène, par exemple, au moment où il y a quelqu'un qui appelle, alors ça c'est très giallo. Elle appelle quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, on entend la voix qui est transformée, elle l'entend clair, mais nous, spectateurs, on entend... Et elle dit, je sais que c'est vous qui faites chanter Michael Brandon, je vous donne rendez-vous dans un parc, venez, filez-moi de la thune et je ne dirai pas que c'est vous. Et la femme attend, donc il y a cette scène incroyable, elle attend, et en fait, personne n'arrive. Et au bout d'un moment, on se rend compte que le temps a passé parce qu'elle ouvre vraiment les yeux, elle n'avait pas dormi, mais elle pensait à autre chose. Et les gens qui étaient là ne sont plus là, le soleil maintenant, c'est la lune, le parc est fermé. Et là, elle se dit, merde, il faut que je sorte. Et elle est toute seule dans le parc. Et elle se fait poursuivre par une présence invisible. Donc mais c'est en vue subjective. Enfin bref. Oui, parce que le giallo, il y a des codes. Il y a l'arme blanche. Souvent, c'est des meurtres avec des strangulations. Enfin, le fil, le couteau, les vêtements. Il y a des gants de cuir. Tout couleurs, ça, c'est respecté. Les couleurs qui sont très présentes aussi. Les couleurs, c'est incroyable. Enfin, vous voyez déjà la bande-annonce qui est vraiment tournée pour le film. Tout le sang de ces espèces de travaux. C'est très difficile de résumer ce film, mais c'est une plongée dans un thriller vraiment complètement machiavélique. Je vous dis pas qui est l'assassin, mais c'est complètement fou. Et le titre, surtout, 4 mouches de velours gris. Pourquoi je vous en dis pas trop. Si je me suis toujours posé la question, parce que c'était ces 3 titres de la trilogie animalière. Je peux pas vraiment résoudre, parce qu'on ne le sait qu'à la fin, si ce n'est que c'est un rapport direct avec une invention qui apparemment existait vraiment, une théorie en tout cas, qui existait je crois au siècle dernier, comme quoi la dernière image vue par un mort restait imprimée sur sa rétine. Et donc, ils chopent un moment un cadavre, et ils arrivent à voir la dernière image qu'il y a sur ses yeux, et c'est 4 mouches. Et ils comprennent pas pourquoi. C'est tout à fait du Argento, tout craché ça, c'est trop d'image et tout. Exactement. Ça, et parce que Argento, c'est tout le temps le truc, le mec, c'est j'ai vu quelque chose, je ne sais plus ce que j'ai vu, mais je sais que dans mon souvenir, j'ai la résolution d'énigme. Regardez-le, c'est complètement fou. Voilà. Et je trouve que tu lui as rendu bien hommage, donc on va pas parler du reste de sa filmographie. On va retrouver un Français, il a une carrière, on a fait une interview, c'est l'interview carrière. Ne bougez pas, c'est le moment de l'interview carrière. Il est comme ça, notre Laurent. Il connaît tous les meilleurs auteurs du moment. Rencontre avec Johan Elio en pleine quarantaine. Pas de crise, mais de nombreux ouvrages qui font de lui l'un des auteurs de SF et de steampunk les plus appréciés en France. Le steampunk, pour ceux qui n'auraient pas suivi toute notre émission, c'est ce qu'on pourrait qualifier de rétro-futuriste, de Jules Verne dans le futur, si vous préférez. Comment as-tu débuté, Johan ? Depuis le début des années 90, et pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai écrit pas mal de nouvelles. Moi, je me suis fait un petit peu la main sur du texte court, ce qui m'a fait très très modestement connaître dans le tout petit milieu des fans de science-fiction en France. Et en 1999 exactement, il y a les gens de chez Mnemos de l'époque, Célia Chazelle en l'occurrence, elle m'a demandé si j'étais partant pour faire un roman. Ce que j'avais pas du tout prévu, puisque moi j'étais encore vraiment dans la forme courte, et puis ça me paraissait un truc plus ou moins inabordable, enfin peut-être trop d'investissement et de travail de me lancer sur le roman, mais j'ai voulu saisir la chance. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je venais de lire un bouquin qui raconte l'histoire de la construction de la Tour Eiffel, à la fin de laquelle il y avait des illustrations d'époque avec des engins volants un peu tarabiscotés, et c'était le point de départ. Voilà. Tu n'as pas trop été catalogué dans le steampunk ? Je ne savais pas que je faisais du steampunk, je ne connaissais pas le mot à cette époque-là. Et puis, la plupart des spécialistes du genre qui l'ont lu m'ont dit « Ah oui, ça c'est du steampunk, ça se rattache à tel ou tel autre bouquin. » Et on m'a donc plus ou moins estampillé comme ça, comme spécialiste de ce genre-là en France, que c'était pratiquement le premier, c'était pas tout à fait le premier bouquin en fait, steampunk français, mais enfin, disons un des premiers. 12 ans après, on a encore tendance à me présenter comme un auteur plus ou moins spécialiste de l'Uchronie au sens large du steampunk. Alors c'est vrai que j'ai fait 3 ou 4 autres Uchronies, mais enfin à la limite, sur l'essentiel des bouquins que j'ai écrits, ça représente peut-être 10% à peine des genres que j'ai abordés. Donc, bon, ça ne me dérange pas du tout, puisque maintenant, je dirais, par la force des choses, je suis devenu un peu spécialiste du genre. Enfin, je suis loin d'ailleurs d'en connaître l'essentiel, mais bon, ça me plaît toujours. D'ailleurs, sans doute des genres auxquels je reviendrai, mais voilà. Mais je ne suis pas le spécialiste français, comme on présente parfois, non, loin de là. Johan œuvre aussi dans le polar. Combien en as-tu écrit ? Il y avait un bouquin un peu bizarre chez Lune d'encre qui rassemblait 2 courts romans et une nouvelle. Et un de ces courts romans, effectivement, même s'il était un
petit peu fantastique sur la marge, mais enfin était dans le polar. Quelques années après, j'ai fait un pur polar sans aucun élément de fantastique ou de science-fiction, dans une petite collection du Rocher qui s'appelait Le Rouge et le Noir. Ça, elle n'existe plus. Voilà mes seules incursions dans ce domaine-là. J'adore lire du roman noir ou du thriller, d'ailleurs plus que du pur polar, mais je préfère vraiment écrire de la SF ou du fantastique. Je me sens trop cadré par la réalité, sinon dans le pur polar. Pour moi, ça vaudrait le coup d'écrire un polar, enfin, au sens large, aujourd'hui, si vraiment c'est quelque chose d'un peu différent de tout ce qui se pratique, ou des trucs plutôt à la limite à la Joe Lansdale, voilà, des trucs qui flirtent avec les univers fantastiques. Tu as aussi écrit pour la jeunesse, c'est-tu une obligation ? C'est Denis Guillot, à l'époque, qui dirigeait Autre Monde, la collection de science-fiction de Mango, qui m'a demandé si je voulais écrire pour la jeunesse, et c'est parti comme ça. Et franchement, moi, ça m'éclate bien d'écrire pour ce public-là. Il y a une liberté de ton, il y a une prise de risque, je trouve, aujourd'hui, chez pas mal d'éditeurs jeunesse. On peut vraiment pratiquement tous permettre, et puis les collections foisonnent encore aujourd'hui. Chaque année, j'écris 5 ou 6 bouquins, alors de toute taille, pas non plus 5 ou 6 pavés, ça je pourrais pas. Donc c'est pas une obligation, c'est aussi parce que j'ai mon temps que je peux produire autant. Et c'est vrai que c'est des bouquins qui se vendent mieux que la SF adulte. Aujourd'hui, ça demanderait être. Ça se discute encore. Mais c'est pour toutes ces raisons-là que je fais aussi de la jeunesse. Parle-nous de ton dernier roman. Là, c'est un petit peu une exception, puisque c'est vraiment un pur roman d'aventure historique dans le cadre des pirates et des flibustiers, donc des pirates des Caraïbes, et dans un vrai cadre historique, Saint-Domingue, Haïti, Toussaint Louverture, les frères Lafitte, les fameux corsaires français, etc. Donc voilà, ça s'appelle Flibustière, c'est paru chez La Talente, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur les baisses de ventes dans l'édition ? C'est vrai que depuis deux ans, trois ans, là et dans tous les secteurs, y compris en jeunesse, qui pourtant se démarquait, on assiste à un tassement. Alors, il y a toujours des exceptions, ça reste. Et puis il y a toujours ce fameux paradoxe que moins les livres se vendent, plus on va produire de livres, cette fameuse fuite en avant des éditeurs. En jeunesse, il n'y a jamais eu autant de collections. Mais d'un autre côté, ça fait presque depuis, même depuis les années 90, que j'entends certains éditeurs tenir le même discours et se plaindre que le marché du livre va mal. Si on regarde les chiffres dans leur globalité, le marché du livre en France, il ne se porte pas si mal que ça. Après, si on regarde par secteur, effectivement, la science-fiction, certes, elle ne se porte pas au mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, après, on va rentrer dans le fameux débat, la fantasy contre la SF, etc., je pense que c'est même plus compliqué que ça. Mais il y a toujours moyen de proposer des idées, des manuscrits. Et les éditeurs sont là, les collections sont là, et se publient toujours beaucoup de livres. Ça ne change pas, donc. Donc, il vous faut découvrir les œuvres de cet ex-professeur d'histoire de lettres. Ah, si j'avais eu un prof comme ça, je pense que j'aurais mieux bossé et je n'aurais pas fini à la télé, moi. Et Johan Elio qui vit tout près d'ici, l'endroit où on enregistre. Donc on est allé filmer chez lui et voilà, j'adore ses bouquins. Y a-t-il un pont entre Elio et Charlier qui est ta chronique à venir ? A priori aucun, non. D'accord, alors tout de suite on va voir comment Laurent va se débrouiller. Rubrique BD et roman avec Laurent. Tu as dit Charlier, mais ma chronique, elle n'est pas que sur Jean-Michel Charlier, ce scénariste extraordinaire. Elle est aussi sur ses personnages et le dessinateur qui a dessiné la série dont je vais vous parler, qui s'appelle Albert Uderzo. Albert Uderzo, il a dessiné quoi ? Luc et Luc. Un petit gaulois. Voilà. Ce qui est très drôle, c'est que dans la ville de naissance d'Uderzo, tu as un rond-point avec le fameux chaudron et un menhir, ouais. Et donc, il a dessiné aussi la série dont on va voir des images de la série télé adaptée. Voilà. Ah, il y a des navions. Il y a encore deux avions. Ça parle, hein, par contre. Voto français jusqu'à la base de Reims et de Ben Tanguy et la verdure. Et la on musique, parle bien de la série. La musique, écoutez bien. C'est bien choisi. Spécial dédicace à Rue. Ah, c'est Johnny. C'est Johnny. Tu vas recréer un monstre, attention, hein, parce que là, t'es parti. Bon, là, on voit des avions. C'est ça, les Chevaliers du Ciel, c'est des avions, des pilotes de chasse. Il y a eu un film de Luc Besson qui a adapté ça récemment avec Cornillac et. Imaginez pas bon. Voilà. Ils ont changé les noms d'ailleurs. Ça non, c'est Magimel ou pas ? C'est Magimel Cornillac. Ça s'appelait plus Tanguy. Non. Ah là 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 là. Alors la série, la BD, elle s'appelle bien
Tanguy et la Verdure et pas Les Chevaliers du Ciel. C'est la série télé qui s'appelle Les Chevaliers du Ciel. Créée en 59 pour la revue Pilote, qui est créée aussi en 59, et pour concurrencer Buck Danny qui est dans Spirou. C'est une série aussi scénarisée par Charlier, mais dessinée par Hubinon, qui parle aussi de pilotes de chasse, mais américains. Ça m'a toujours fait chier, moi, quand j'étais petit, ces séries avec des avions. Ah, mais moi, j'adore ça. Moi, alors, je te fais un petit aveu, quand j'étais enfant, je voulais être pilote de chasse, voilà. Moi, je le dis, j'adorais ces BD. Et Uderzo, à l'époque, il commence à peine Astérix, donc il est encore pas la grosse star, il dessine plein de trucs, il dessine réaliste, parce que là, les dessins, on en voit quelques-uns, c'est du réalisme, quoi. C'est vraiment presque à l'américaine, c'est du super beau dessin. Les avions sont parfois dessinés par le scénariste Charlier, qui adore un peu dessiner, la patte, en fait. Il adore dessiner les avions, en fait. C'est un pilote de ligne, il a piloté quelques avions pour la Sabena, parce que comme il est belge... Qu'est-ce que c'est que la Sabena? C'est l'équivalent d'Air France. Okay. Belge, voilà. Donc Charlier dessine quelques avions, et donc Les Chevaliers du Ciel. Il y a beaucoup du charme aussi qui provient des dessins d'Uderzo. Après, les scénars, c'est quand même des grosses ficelles. C'est un prototype a disparu, alors il faut aller le retrouver. C'est un peu le père du techno-thriller moderne, Charlier, pour ça. Mais quand même, il utilise des grosses cordes. C'est le Tom Clancy de la BD. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est avant, quoi. Il est toujours au fait des dernières inventions technologiques, quoi. Il y a les mirages et tout ça. Par exemple, toi qui nous parles souvent des personnages qui vieillissent dans les épisodes, en tout cas dans les albums, est-ce que là, il n'y a pas d'évolution, quoi. On est dans la vraie BD, comme Tanguy et la Verdure, ils sont toujours. C'est hyper bien, Tanguy et la Verdure. C'est un buddy movie déjà, quoi. C'est le héros, c'est Michel Tanguy, le beau brun, et la Verdure, c'est. Écoute, mec, ouais, voilà. Exactement. Non, mais c'est le personnage comique à côté qui gravite autour, qui arrête pas de faire des gaffes, des bêtises, des quiproquos. Mais par contre, quand il s'agit d'aller sauver son compère, j'ai plus de kérosène, j'arrive. Enfin bon, c'est Tom Hanks. Mais je suis pris comme un gamin, quoi. Vraiment. Venir, les deux, là. Viens me remplir de kérosène. Non, parce que alors, aucune ambiguïté, la Verdure, il arrête pas de draguer des meufs. D'ailleurs, il se fait souvent avoir parce que c'est des nanas envoyées par les ennemis, tu vois, pour le tromper. Enfin bon. Alors, évidemment, si t'aimes pas les avions et Top Gun. Et cette BD, ça risque d'être chiant. Voilà. Mais sinon. Mais voilà. Et ton album préféré, peut-être? Ah, moi, j'aime bien les albums du début. Jusqu'au 8e tome, c'est dessiné par Uderzo. Après, c'est Gigi qui reprend, j'aime un peu moins. Et Gigi qui a fait quoi d'autre, d'ailleurs? Gigi qui a fait Jerry Spring. Ouais. Et il y a d'ailleurs une demi-planche du tome 8 au moment où Uderzo est pris par le succès d'Astérix et peut pas trop continuer à dessiner. Son frère l'aide un peu. Et Jean Giraud dessine une demi-planche du tome 8. Voilà. Jean Giraud, Bilal, bien sûr. Et donc voilà, et on voit, quand on le sait, on reconnaît que c'est lui. D'accord. Mmh. Oui, il y a quand même du beau monde là. Enfin, Uderzo, voilà, un des plus grands dessinateurs français. J'avais envie vraiment qu'on sache qu'il est capable de faire autre chose que de l'humour et Astérix. Et la force de Plus ou Moins Geek, c'est d'arriver à faire des liens incroyables, des passerelles énormes, puisqu'on va passer de Uderzo à la Neo Geo. C'est la nouvelle enquête geek de cette émission. Ne zappez pas, on se retrouve juste après. N'allez surtout pas aux toilettes. Voici l'enquête geek. Nostalgiques de jeux vidéo anciens, nous vous emmenons à la rencontre d'une console qui a fasciné ceux qui n'ont jamais pu se la payer, la Neo Geo. En 1990, il fallait débourser l'équivalent d'un demi-mois de salaire pour l'acquérir. La Neo Geo, la SNK Neo Geo, est sortie en 1990. Donc c'était finalement la même année que l'année de sortie de la Nintendo, Super Nintendo. On était à l'ère des consoles 16 bits. On va dire un petit peu l'âge d'or de la 2D, c'est-à-dire tous les jeux qui étaient plats, plats avec de gros pixels. Et SNK, donc, en sortant leur première borne d'arcade de type Neo Geo, se sont dit, mais pourquoi on ne prendrait pas la même technique, hein, la même plateforme, on le mettrait dans une carrosserie et on en ferait une console de jeu. Et du coup, bah, quand la Neo Geo est sortie, ça a été une méga claque pour tout le monde parce que voir débarquer comme ça en 1989-90, une machine qui est capable de reproduire les jeux d'arcade à domicile, c'était juste impensable. Et surtout, ces jeux de baston, oh là là, comme Art of Fighting, Fatal Fury ou encore The King of Fighters, de la grosse fight qui fait mal au pouce et qui attise votre mauvaise foi. Alors ça a fait en sorte que la Neo Geo est sortie dans le commerce à peu près à 2500 francs, c'était relativement cher à l'époque, plus cher que les concurrentes que la Super Nintendo ou la Sega Mega Drive, hein, qui étaient les grandes consoles concurrentes de l'époque. Mais surtout, le problème de la Neo Geo, comme les jeux étaient exactement les mêmes que les jeux vidéo d'arcade, un jeu sur Neo Geo, lorsqu'il sortait en cartouche, ne coûtait pas 400 ou 500 francs comme sur les consoles concurrentes, il coûtait le même prix que la console. Donc c'était très très cher, d'autant plus qu'il s'agissait de jeux d'arcade.
Donc, c'était pas des jeux d'aventure qui allaient durer très très longtemps. C'était des jeux d'action avec 6 niveaux, 8 niveaux, 10 niveaux. Donc, pour un bon joueur, un jeu, ça durait une ou deux après-midi ou peut-être un week-end. Mais c'était, voilà, c'était des jeux qui coûtaient très très cher, donc il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, à cause de cela, c'est une console de jeu qui finalement n'a été que peu achetée, mais a rayonné comme étant quelque part la Rolls des consoles de jeux vidéo. Je me souviens qu'à l'époque, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches après-midi, les fans de jeux vidéo allaient squatter les boutiques qui en avaient en démonstration et ils allaient baver en disant « un jour, elle sera mienne ». La Neo Geo, finalement, apporta avec elle vraiment les plus grandes technologies de l'époque, les plus performantes en termes de graphisme, d'animation et de musique. Donc, effectivement, les effets graphiques présents sur cette machine étaient sans commune mesure avec les deux grandes concurrentes qui étaient la Sega Mega Drive et la Super Nintendo. Je pense que les trois jeux qui ont vraiment marqué les usagers à l'époque, c'était Magician Lord. Ensuite, il y a eu Baseball Star, hein, qui était un jeu de sport incroyable, super dynamique, avec des effets de zoom. Et le troisième jeu qui a été vraiment très important pour imposer la Neo Geo auprès des joueurs, ça a été NAM 75. Une sorte de jeu à commando dans lequel vous dirigez un petit bonhomme qui va tirailler des centaines de milliers de Vietnamiens qui n'ont absolument rien fait. On ne peut pas parler de la Neo Geo sans évoquer donc les jeux de combat, qui furent également sa grande spécialité, et qui continuent d'ailleurs de l'être, avec des séries telles que Samurai Shodown ou King of Fighters, qui furent présents en salle d'arcade pendant encore de très très nombreuses années à venir. Et ce qui est amusant, c'est dans l'histoire de SNK, eux-mêmes se sont intéressés au passage à la 3D, figuré donc par la fameuse Sega Saturn et la Sony PlayStation, et donc ont essayé de sortir une Neo Geo dédiée à la 3D, qui s'appelait donc la Hyper Neo Geo 64, et qui fut donc un flop, mais colossal, puisque finalement, autant ils maîtrisaient bien la 2D, qui avait été vraiment très très bien développée au sein de la Neo Geo normale, autant la 3D est absolument catastrophique au sein de la deuxième génération, on va dire, de Neo Geo. L'avancée technologique de la console, elle était énorme. C'était difficile pour les gens de croire que c'était une machine de même génération que la Mega Drive ou la Super Nintendo. Ouais, c'était comme une Mega Drive ou une Super Nintendo, mais surboostée, avec beaucoup plus de RAM, beaucoup plus de vitesse de cadence de processeur. Enfin, c'était une machine tunée, on va dire, quoi. Bien évidemment, tout cela avait un prix, et notamment le prix qu'il fallait débourser, les fameux 3000 francs, par cartouche de jeu, pour avoir donc des contenus qui utilisaient pleinement les capacités de cette console. Moi, je dirais, si elle avait des lacunes, ça aurait été peut-être d'avoir des jeux un peu plus profonds que des jeux d'arcade. Et là encore, tu vois, je vais dire, elle manquait de jeux d'aventure, mais elle a eu un RPG, elle a eu des jeux de quiz, et puis surtout, quand il y a eu l'avènement des jeux de baston, t'achetais un shoot-em-up à 200€, tu l'avais fini, t'étais un peu mal, quoi. Alors qu'un jeu de baston, tu le termines jamais, tu t'entraînes, tu invites tes potes, tu fais des soirées, donc c'était... Elle n'avait pas vraiment de lacunes, cette console, à part qu'elle était chère, elle avait aucun point faible, je dirais. Ce que l'on peut retenir surtout de la Neo Geo, c'est qu'elle apporta une qualité dans le jeu vidéo bien supérieure, et qu'à partir de là, même sur les consoles de jeux à venir 32 bits, aucun éditeur certainement n'aura osé sortir un jeu vidéo moins bien qu'il ne l'aurait été sur Neo Geo. Si vous avez envie d'en acheter une, pensez au site d'occasion. Je regarde d'ailleurs et... Ah, ouh, oui, d'accord, ça se vend au même prix qu'à l'époque. Oui, je suis un peu d'aigle. Non mais j'en voulais une, quoi. Non mais tant pis, j'en aurais pas. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont possédé cette Neo Geo? Non. Moi, c'était une frustration. Ouais, c'était énorme. Comme bourgeois, riche, quoi. Qui les avait, quoi. Ah. Oh, dis donc, qu'est-ce que t'as contre les riches? L'homme aux trois greniers. T'avais une Neo Geo? Non, pas du tout. Ah bon. Voilà. J'avais un Amstrad à casser. Maintenant, ils ont des moteurs Neo Geo dans des trucs d'arcade, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est... En tout cas, moi, mes parents n'ont jamais eu l'argent pour pouvoir me l'acheter. Et on va passer à la rubrique Histoire et Nouvelle Technologie sur Léonard de Vinci. Avait-il dessiné les plans du Neo Geo à l'époque? On le saura tout de suite. Rubrique Histoire et Nouvelles Technologies avec Baptiste et Nico. Bon, patron, cette fois, on travaille sur quel dossier? Léonard de Vinci. C'est parti? C'est parti. Si vous aimez cette thématique, vous aimerez The Da Vinci Code, le livre et le film. Le jeu vidéo The Secrets of Da Vinci, le manuscrit interdit, ou encore Assassin's Creed 2. Les annales du Disque Monde de Terry Pratchett, où l'on trouve un pastiche de Léonard, la série BD totalement déjantée Léonard, où il était une fois l'homme, parce que le maestro, c'est lui. Bon, patron, j'ai mené l'enquête avec Baptiste sur le fameux personnage de Léonard de Vinci. Ce qu'il faut savoir, à la base, c'est que c'est un inventeur.
et observateur. Il a créé énormément de dessins, de croquis, d'hélicoptères, d'avions, de tanks et d'armes. On se rend compte, quand on décortique le travail de Léonard de Vinci, de sa capacité à analyser et observer les choses. Il était déjà visionnaire dans ce qui allait devenir des avions ou des hélicoptères. Ce que je voudrais signaler aussi, patron, c'est que Léonard de Vinci étant un grand observateur, beaucoup de ses projets n'étaient pas réalisables. À l'image un peu de son sous-marin, puisque je vais vous parler aujourd'hui d'ingénierie sous-marine et d'armes du futur. Il était déjà compliqué à l'époque de rendre les bateaux étanches, alors imaginez un sous-marin qui pourrait sonder les mers à plusieurs mètres de profondeur. Scientifiquement, c'est James Cameron qui a réussi à plonger à plus de 11 km sous la surface de l'eau, dans la fosse des Mariannes. Et c'est un véritable défi pour l'homme, puisqu'on pouvait envoyer à l'époque des robots et on n'a jamais réussi à envoyer un homme. Pour vous donner une comparaison, imaginez une colonne d'eau de 11 km de hauteur directement sur votre nuque. Elle se briserait littéralement. Moi, je vais te parler maintenant de l'autre facette de Léonard de Vinci. C'était son travail de passionné par rapport aux oiseaux. Comment les oiseaux ont influencé ses recherches? Il a écrit un manuscrit de recherche, d'études sur les oiseaux, sur leur façon de voler, de se déplacer dans le ciel. On l'appelle le codex des oiseaux. Ce codex lui a permis de créer une machine volante qui imite le déplacement des ailes des oiseaux. On n'est pas sur un planeur, on est vraiment une machine qui bat des ailes. De Vinci a aussi designé une sorte de machine de guerre qui ressemble un peu à un tank qu'on peut assimiler. Il disposait de 33 canons rotatifs qui tiraient alternativement sur les ennemis. C'est ce qu'on peut assimiler un peu aujourd'hui à ce qu'on appellerait une gatling. Moi, j'entends gatling, en tant que scientifique, j'entends forcément pistolet laser, pistolet plasma, enfin en tout cas toutes les recherches qui sont effectuées à ce niveau-là en ce moment. Moi, je vais parler maintenant un peu plus de son portrait d'artiste. On le connaît pour son fameux tableau de la Joconde, mais aussi la fameuse scène qui a été reprise dans les livres de Brown, le Da Vinci. On voit qu'un mythe alimente ce personnage. C'était un vrai génie, même encore aujourd'hui, il influence notre culture populaire. En parlant de pistolet laser, évidemment, donc, sans parler de Star Wars, on utilise le laser dans différentes applications, dans l'industrie pour les découpes de précision et dans le domaine médical pour soigner certaines maladies, retirer des corps étrangers de manière non invasive. Le pistolet laser, ça va vraiment évoluer, espérons le moins possible en armes, et ça permet déjà de réaliser des expériences scientifiques pour chauffer de manière extrême des atomes et reproduire un peu ce qui se passe dans le cas de fission nucléaire dans le Soleil. D'ailleurs, Boss, je vais conclure par la passion de Léonard de Vinci concernant l'anatomie humaine. Le fameux homme de Vitruve, ce dessin qui est représenté par cet homme, les bras tendus et les jambes tendues, montre vraiment sa passion pour l'observation concernant nous, l'espèce humaine. Au début des années 70, entre 70 et 77, on envoyait des sondes dans l'espace, les sondes Voyager, et on avait décidé, en cas de contact extraterrestre, d'y indiquer des éléments qui représentaient notre civilisation. Ce n'est pas pour rien que l'on a glissé l'homme de Vitruve ainsi qu'un extrait du concerto brandebourgeois, puis le tableau des éléments, dans les sondes voyageurs afin de représenter au mieux la civilisation humaine. Ça démontre bien que Léonard de Vinci est un homme qui a créé et continue à créer l'avancement de notre espèce humaine. Nous espérons, comme toujours, que ces informations seront utiles à l'organisation. Ne serait-il pas le moment de vous retrouver, chers amis barbus ? Oui. Moi, je tiens juste à dire un truc, c'est que Léonard de Vinci a écrit le scénario de Hudson Hawk. Tu te souviens ? Il parle de... Oui, c'est vrai, tout à fait. Léonard de Vinci, qui est très présent de toute façon dans beaucoup, beaucoup de scripts, de romans. Et si on parlait de ça pendant la rubrique jeux vidéo, oui, finalement ? Oui, qui est dans Assassin's Creed 2 aussi. À toi, Seb. Rubrique jeux vidéo avec Fred et Seb. C'est un jeu qui est sorti sur plateforme téléchargeable, c'est-à-dire le PSN, PlayStation Network. Et voilà, si on peut voir quelques images, parce que ça va être difficile à expliquer, parce que c'est un jeu qui se vit, en fait, qui se joue pas vraiment.
Il se joue pas. En fait. C'est plus une expérience. Contempler parce que c'est très beau, c'est magnifique. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs. Il y a pas de. Ça, c'est les images du jeu. Hein. Ça n'est pas une cinématique. C'est les images in-game. Attends, in-game pour faire plaisir. C'est encore un truc indépendant. Oui, c'est un jeu indépendant. Et bien, à chaque fois que vous sortez des jeux indépendants, ils sont toujours incroyables. Ils sont toujours beaucoup plus séduisants. C'est parce que. Là, par contre, c'est Sony qui est derrière. C'est pas vraiment un jeu indépendant. Il y a quand même le financement. C'est indépendant, mais il y avait quand même un peu de thunes. Voilà, c'est un peu Sony derrière. Quoi. Et ça s'appelle ? Ça s'appelle Journey. J'ai trouvé ça très reposant et zen, mes amis. Et justement, parce que c'est vraiment le but de ce jeu. Et la compagnie qui a fait Journey, elle a aussi fait Flower, je crois. La compagnie s'appelle That Game Company. Elle a fait trois jeux, un qui s'appelle Flow, un autre qui s'appelle Flower, où le but c'était d'incarner le vent. C'est ça, tu incarnes le vent et tu te balades des pétales, au milieu des herbes, des fleurs, c'est très reposant. C'est déjà une patte qui est très poésie, très reposant et visuellement très marqué. C'est assez marrant parce que moi je vois plutôt à chaque fois dans des trucs de jeu où ça bastonne, où ça simule. Ouais, vous incarnez le vent, c'est formidable. Non mais c'est des poètes en fait. Et ce jeu c'est exactement ça, c'est de la pure poésie, c'est de la puissance d'évocation de fou furieux. Ce qui m'avait bluffé c'est le début, quand tu démarres le jeu, tu sais pas où tu es. Déjà t'as aucune indication, il n'y a pas de HUD, donc le HUD j'explique, donc c'est en anglais, je sais pas comment on dit exactement, mais c'est l'affichage, c'est-à-dire les munitions, les machins, enfin voilà, tout ce qui est affiché à l'écran pour te guider un peu. Et bien là, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas d'explication, on ne te dit pas va là-bas, fais ci, donc c'est que c'est à l'instinct. Quoi, ça fait ressortir en nous voilà, l'instinct primaire un peu. C'est-à-dire, on aperçoit au loin, au fond des dunes, on voit une espèce de lumière sur une montagne, donc on est attiré par ça, donc on avance et on glisse, on commence à faire du surf un peu avec ces petites patounes, avec le personnage qu'on a vu, qui est un peu indéfinissable. L'objectif du jeu, du coup, c'est quoi ? C'est l'aventure en fait, c'est pas le point final, c'est la journey, donc c'est l'aventure, donc c'est avancer dans cette espèce de monde, c'est le voyage. La communication aussi entre les parce qu'il y a une partie online entre guillemets. Il y a une partie online en fait, il faut juste accepter pour qu'il y ait des gens qui viennent se connecter sur sa partie, donc il faut autoriser le truc. Il n'y a pas de notion de se connecter sur un serveur, de voir un pseudonyme, une nationalité, un sexe, donc il y a un deuxième personnage qui apparaît dans ta partie, comme ça, comme si de rien n'était. Et c'est le même que le tien, c'est-à-dire il y a vraiment il y a pas de notion voilà on est des joueurs différents. Il y a pas d'avatar quoi. Il y a pas d'avatar. Donc c'est le même personnage que toi, donc tu partages une aventure en fait. Et il y a aucune notion de coopération, c'est-à-dire tu voles avec lui et tu communiques parce qu'il y a que au niveau des commandes, il y a que deux boutons, un bouton saut et un bouton où tu émets un espèce de son quoi. Et plus tu appuies sur le bouton, tu peux t'aimer plusieurs sortes de sons différents. Donc tu communiques avec l'autre joueur qui s'est connecté sur ta partie comme ça. Ton truc quoi. Voilà. Tu dois créer ton langage en fait. Tu ne fais pas de mots, tu n'insultes pas comme sur les parties de Call of Duty. Donc voilà, tu n'insultes pas les mamans ni les bâtards. Et c'est là où le jeu est magnifique quoi. C'est vraiment C'est assez étonnant que c'est marché en plus parce que c'est. Je pense qu'il y a. C'est un peu à contre courant. Je pense qu'il a assez bien marché. Bon, il a été bien soutenu parce que c'est un jeu produit par Sony. Donc, c'est sorti au mois de mars 2012. D'accord. Et tu le trouves en boîte, en magasin, avec le premier jeu les deux premiers, c'est-à-dire le jeu des fleurs, Flower et Flow, et Journey dans une boîte avec trois jeux. Et c'est magnifique. Pourquoi ça t'intéresse, l'Odyssée de Kino ? Parce que t'as un peu cette ambiance-là. Mais oui, moi j'adore ça, franchement. Et, parce qu'il y a une scène, j'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est tellement magnifique. J'ai failli chialer, quoi. Alors qu'il se passe. Mais chiale, mon pote. J'ai envie de chialer, quoi. Donne-nous de l'émotion. C'est des larmes d'homme, vas-y. Il y a des placements de caméra qui sont fantastiques, c'est-à-dire moment on descend, on fait un peu du surf comme ça sur les dunes et on traverse des ruines. On comprend pas le scénario, mais on essaie de suivre une civilisation qui a disparu un peu, parce qu'il y a des flashs comme ça dans les cutscenes où on voit une espèce de grand bonhomme blanc qui nous ressemble en fait. Donc on sait pas si c'est Dieu, si c'est un ancêtre ou quoi, donc on part à la recherche de quelque chose, mais on sait pas ce que c'est quoi. Au moment de cette descente, la caméra se met à tourner et on voit une espèce de soleil couchant des ruines et c'est magnifique. On pourrait faire une capture d'écran, enfin c'est splendide. Est-ce que tu dirais que le message du jeu c'est « Don't stop believing » ? Exactement, The Journey, exactement. C'est une transition parfaite. C'est vraiment de la poésie vidéoludique. Le seul gain qu'on a dans le jeu, c'est quand on ramasse des espèces de petits tickets qui volent. C'est peut-être des petites créatures, c'est trop difficile à décrire, il faut y jouer. Et ça fait agrandir son écharpe, on a une écharpe, voilà. Donc c'est sa barre de vie. Et c'est le seul truc qu'on perd, c'est la taille de l'écharpe quand on se fait choper par les monstres. Mais on ne meurt pas, quoi. Eh ben écoute, moi c'est avec une zénitude totale que je vous lance, François, pour le talent web. C'est le moment de découvrir un nouveau talent web. Ouais, ben c'est la vie, hein, mais bon. C'est dur de perdre sa mère. Enfin, sa carte mère. Si, c'est dur, c'est tout aussi dur, je suis désolé, c'est... Alors... Tout de suite, on va regarder un sujet sur Another Hero, une web-série produite à Montpellier. Focus sur la web-série Another Hero. Alors oui, ils n'ont pas les millions de vues des Noobs, des Flanders et autres visiteurs du futur, mais ça monte de plus en plus. Ils sont pleins d'énergie et en plus de cela, ils ont offert à boire et à manger à notre journaliste. Que demande le peuple ? Qu'est-ce que c'est Another Hero ? C'est 1200 euros de budget, 28 jours de tournage, 50 pots de rillettes, 50 mètres de baguettes,
28 000 vues sur Dailymotion et c'est 14 000 litres de sueur. Quel est le pitch ? Another Hero, c'est une web-série qui raconte l'histoire d'un super-héros qui est vraiment un héros, mais pas vraiment super. Voilà. Donc c'est absolument tout ce que j'aime et tout ce que j'aimais quand j'étais petit dans les dessins animés et dans les films que j'ai voulu mettre à l'intérieur d'une seule et même web-série. Oui, je sais, je n'ai pas de super bagnole, pas de super costume, mais j'ai une mission. C'est celle de combattre les monstres que l'enfer m'envoie sur Terre. Et il est hors de question que j'échoue. Comment t'es venue cette idée ? L'aventure a commencé en 2003 avec un court-métrage qu'on a fait au lycée avec Romain Nicolas, l'acteur principal et producteur d'Another Hero, qui s'appelle La Bête. C'était un concept complètement nul où, dans un monde post-apocalyptique dirigé par les communistes, trois jeunes allaient jouer au Monopoly et se faisaient attaquer par une bête dans une cave. Et du coup, j'ai toujours eu l'idée de faire une petite série de cette histoire. Et au final, c'est devenu Another Hero, ce qui n'est pas du tout le même concept, mais on a repris dans l'épisode 3, Evil Dead Trap, exactement le court-métrage, mais avec nos moyens d'aujourd'hui et notre savoir-faire, donc au plan près. Et qui s'occupe de la production ? C'est une association qu'on a sur Montpellier qui s'appelle Schools Out. Et on faisait des films d'horreur, des films gore, depuis 2005. Et là, on a décidé de passer au comique un peu fantastique. J'avais vraiment envie de m'éclater à un projet comique, en voyant toutes ces putains de web-séries qui sont sur Internet depuis longtemps, comme Flanders, comme Visiteurs du Futur. J'ai dit, non, il faut aussi que je participe au mouvement, j'ai des choses à dire. Comment se passe l'écriture ? Je base la série plus sur une narration suivie, même si chaque épisode peut se prendre indépendamment. Je veux quand même qu'il y ait tout le temps un suivi et des personnages forts, surtout secondaires. J'ai essayé de... Quand je voyais une séquence qui m'intéressait, par exemple, sur un film, je la prenais et puis je la mettais dans Another Hero. Donc absolument, on va dire 80% des dialogues sont des dialogues déjà existants. Ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment de mettre le maximum d'influence et de références à l'intérieur de cette série et que ça fasse un espèce de gloubi-boulga géant. Voilà, c'est pour ça que je vends souvent la série en disant que c'est le mix savant entre Buffy contre les vampires et Salut les musclés. Pourrais-tu nous parler de tes références ? Dans toutes ces références, il y avait le côté bis des années 70, donc avec le côté action fantastique, mais aussi tous les gros succès des années 80, bah, tout ce qui est Retour vers le futur. On retrouve aussi un peu de Sentai, donc tout ce qui est Bioman, Xor, tout ça. On a aussi beaucoup de références, puisque surtout dans notre manière de monter les combats et de les préparer, moi je voulais vraiment faire du Steven Seagal, donc ça va faire plaisir à Rui Xalé. Du Steven Seagal, tout ce qui est ces films d'action-là de l'époque. On avait envie de mettre ça au goût du jour, peut-être éviter le côté shaky cam aussi, donc vraiment reprendre les fondamentaux, je dirais, des films d'action. Quel est ton épisode préféré ? Pour l'instant, il y a les deux derniers, que j'aime énormément, mais parce que je trouve qu'on a réussi à faire exactement ce que j'aime au cinéma, à savoir... On pleure, on rigole. Et je trouve que c'est... Et on sent la sincérité. Donc autant chez les acteurs que... Enfin, vraiment, c'est... Là, je pense que c'est un bel aboutissement. Et puis l'épisode 9, le rêve de Romain, quand il rêve de son papa. Voilà. Parce que ça me touche personnellement. Et la question qui est sur toutes les lèvres, quand découvrira-t-on la saison 2 ? La saison 2, oui, je l'ai en tête. Elle est, je dirais même, quasiment finie d'écrire sur chaque... Enfin, chaque épisode est synopsisé. Il n'y a pas de... Il y a l'histoire de chaque épisode. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de sous. Ce serait génial. Et puis surtout, on prépare une surprise qu'on voudrait diffuser à la Comic-Con l'an prochain, en avant-première. Donc le premier épisode de la saison 2, qui va, je pense, un petit peu surprendre tout le monde. Voilà. Eh bien, nous ne demandons qu'à être surpris. Notre journaliste me demande d'ailleurs s'il est possible de lui envoyer des rillettes. C'est possible ou... Non, parce que... Comme vous voulez.
Another Hero, dont tu peux nous toucher un petit mot également. Je peux vous toucher si vous voulez, oui. C'est Guillaume Bellard qui a créé cette série. Je connais très bien Guillaume Bellard puisqu'il bosse avec François Gaillard avec lequel j'ai tourné deux films. Voilà. Oh là là. Et c'est toute une team à Montpellier extrêmement créative. Oui, complètement. Voilà. Et ils sont, alors lui, sa web série, François qui fait des films. Il y a aussi Stéphane Bouillet, producteur et maintenant réalisateur. Il y a tout un espèce Frédéric de pôle. Grousset qui avait fait Kangou Tommy qu'on a vu dans la spéciale post-apo aussi, qui vient de cette team. Il n'est pas à Montpellier, il est dans son petit bureau. Il nous annonce la shopping list. Que doit-on acheter et comment dépenser son argent? Franck, c'est à toi de jouer. Tout de suite, la shopping list. Ah, oh, du lait, je me demande quel goût ça a. J'en ai jamais vu. J'ai toujours pris du sang d'ornithorynque, mais bon, moi j'aime bien tester des nouvelles choses. Allez, c'est parti. C'est quoi ce délire? Je suis tout en blanc, non! Non! Et on commence tout de suite cette shopping list avec un DVD et je vais vous parler de Moonrise Kingdom à retrouver chez Studio Canal. Un film de Wes Anderson qui a aussi réalisé Fantastic Mr. Fox ou encore La vie aquatique. Et cette fois-ci, il nous transporte sur une île où deux enfants vont tout faire pour se retrouver. Une histoire d'amour avec beaucoup d'humour. C'est très bien réalisé, vous pourrez y retrouver Bill Murray, Bruce Willis ou encore Edward Norton. Et j'ai limite envie de dire que c'est un coup de cœur de la shopping list. Moi j'aime bien deux choses, le Japon et les samouraïs. C'est pour ça que je vous ai sélectionné Kenshin le Vagabond à retrouver chez Dibex. Le célèbre samouraï à l'âme inversée revient dans un film de 90 minutes pour sauver le gouvernement Meiji ainsi que ses amis. Moi j'ai toujours voulu être un samouraï, surtout pour faire... Wow, je savais pas que je pouvais faire ça. L'âge du doute, c'est chez Fleuve Noir, un livre du Sicilien Andrea Camilleri qui signe une nouvelle aventure de son commissaire Montalbano. Dans cette enquête, le commissaire va être confronté à son principal ennemi, l'âge qui avance. J'ai envie de dire que c'est l'ennemi de tout le monde, hein. D'ailleurs, moi, je me demande comment je serai avec le temps qui passe. Bonjour et bienvenue dans la shopping list. Noob, la célèbre websérie, a été retranscrite en BD. Mais c'est dingue, il y a des pages et tout. Enfin bref, vous pourrez retrouver la guilde Noob dans des donjons, des quêtes ou encore des combats. Et si vous voulez en savoir plus, je crois qu'il y a une émission qui passe à la télé qui parle de Jik ou de Meporg, je sais plus trop. Marvel Noir, les yeux sans visage. Au programme de ce comics, trois mini-séries, une consacrée à Daredevil et les deux autres mettent en scène Spider-Man dans les années 30 avec un costume noir super classe. Et j'ai pas choisi ce bouquin juste parce qu'il était en noir, hein. Non, non, non. Bah, pas que j'aime pas les blancs, hein, mais je préfère les noirs, quoi. Le chômeur et sa belle, chez Dupuis. L'histoire de Jacques, un artiste au chômage, et Céline, une mathématicienne hyperactive. Malheureusement, le quotidien est impitoyable et va tout faire pour les séparer. Oh, c'est triste. Enfin bon, moi, ce que je trouve le plus triste, c'est surtout qu'on a le stéréotype du chômeur, fan de jeux vidéo et de la malbouffe, et qui fait rien pour trouver du taf. Bah, bravo. Merci, hein. En dansant là, chavaler. Ouais, salut. Non, je m'entraînais au karaoké parce que demain soir, j'ai une soirée, mais je vais tous les laminer, quoi. Enfin bref, j'ai trouvé cette musique grâce à la javanaise sortie chez Glénat. Et ça se passe en 1919 avec une femme qui va retourner sur son île natale pour comprendre certaines énigmes. Bon, allez, moi, je m'entraîne. Énorme, je suis à fond. Au Royaume des Aveugles, chez le Lombard. Ça se passe à Londres en 2060 où la notion de vie privée n'est plus qu'un lointain souvenir. Surveillée de partout, Lorette décide de faire un attentat visant un important centre de traitement d'informations. Mais attends, je suis filmé là. Big Brother est partout. Les aliens, c'est chez Soleil. Sur une planète au fin fond de l'espace, vivent les aliens. Des créatures méchantes qui aiment zigouiller, trucider, voler, piquer, bouffer. Enfin bref, tous les trucs qui se terminent en « et » quoi. Et dans ce tome, elles vont être envahies. Oh, c'est dingue. Et donc, on verra des extraterrestres risibles et facétieux. Oui, j'essaye d'utiliser des mots compliqués. Pour faire genre, j'ai de la culture, quoi. Kraken, c'est à retrouver chez Drugstore. Cette bande dessinée relate la lutte de brigades spécialisées contre les monstres nés et vivant dans les égouts et alimentés par les déchets de la civilisation. Moi, je suis alimenté par la connerie, donc si je dis pas une blague toute pourrie, eh ben je meurs. Oh, bien joué, comme ça j'ai une excuse pour quand je fais des blagues pas drôles. Et voilà, la shopping list c'est terminé, vous pouvez toujours m'envoyer vos coups de cœur à cette adresse. Quant à nous, on va retrouver l'équipe de Plus ou Moins Geek. Mais moi, je vais faire une petite expérience avant et je vais boire de l'eau parce que ça non plus, j'ai jamais goûté. Ouah, mais c'est énorme, je peux devenir invisible. À moi, les cabines d'essayage. Et voilà, l'émission est presque déjà finie, mais le sempiternel vote. À qui allez-vous donner votre petit plus RL? J'en ai. Je sais pas pourquoi, je sens qu'à mon avis, ça va tourner autour de ça Fred et Seb. Ouais, Laurent pareil, j'ai une journée, ouais. Seb? Je vais me choisir ma journée aussi.
Fred. Oui, moi aussi. Rurik. Je crois qu'il n'y a pas de doute. Journey, là. Voilà, je pense qu'on peut tous... Don't stop believing. Allez, c'est sûr. Tiens, vous allez chanter. Vous allez continuer à chanter. On va voir si vous tenez toute la chanson. Pendant que je fais mon au revoir, je vous rappelle que vous pouvez poursuivre l'aventure. Vous ne chantez plus, là, du coup. Non, ça va. Allez, vous pouvez poursuivre l'aventure sur les réseaux sociaux Geekbook, Geekter, le site internet, le forum. N'oubliez pas deux petites choses, il n'y a absolument aucune limite d'âge pour se revendiquer geek. Et un bon geek est un geek curieux. Allez, bye bye, petite caméra.